Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'event d'Auron. Alors que j'aurais tardé à attaquer, bien entendu, toujours, hein, mais mieux vaut tard que jamais. Et je vais profiter donc de cet event pour parler un petit peu de ce qui est arrivé, avec la maintenance de cette semaine qui a eu lieu jeudi. Recommandé d'avoir fini le chapitre 8. Très bien. Mais j'ai fait skip. Je ne vais pas faire skip. Le nul. Ah là là, le nul. Pourquoi j'ai fait skip ? Wow, les monstres dans cette tour sont extrêmement effrayants. Je pense juste que c'est un entraînement d'invocateur. Tout va bien, ne t'inquiète pas pour ça. Exactement. Tu peux compter à 1000% sur nous. Ne t'inquiète pas, Missiona. Je ferai de mon mieux moi aussi. Merci beaucoup tout le monde. Je demande si je peux devenir plus forte. Tu peux le faire. Je compte sur toi. Oui, porter des ailes juste en tenant mes côtés. Ne penses-tu pas à la même chose, Mister? Je dirais la même chose. Ah ah. Oh, Ron. Tu peux dire ça de nouveau? C'est pourquoi... Oh, c'est ce que Ron disait tout le temps. Hein? Depuis combien de temps tu étais arrivé ici? Oh, depuis un moment. D'accord, depuis un moment. Oui, j'ai parlé à un étranger. Mais qui es-tu donc? C'est une surprise pour une jeune femme comme moi. Je vais avoir honte de leur faire peur. Vivi Echo, relax, ce n'est pas un étranger. Mais que d'un saïs. Si vous pouvez penser qu'il est assez atypique du genre. Cela faisait un moment, Sir Auron. Je suis contente de vous revoir. Ce n'est pas le moment pour les réunions de retrouvailles. Regardez par là-bas. Ah, un monstre! Ah, pourquoi tout le monde apparaît n'importe où maintenant? Comme ça, apparaît n'importe où comme ça. Si vous montrez de la sorte, dites-le d'abord. Parfait timing, Yuna Tidus. Voyons comment vous avez progressé. Quoi? Yuna, tout va bien. Avec Auron de notre côté, nous n'avons rien à craindre. Qui vous a dit que je vous rejoignais? Quoi? Je croyais que vous étiez son ami. Donnez-nous un coup de main. Je regarderai ça tranquillement. Vous n'avez pas besoin de mon aide. Tu ne peux pas dire ça. Et si jamais on perd, qu'est-ce qui se passera? Nous devrons traverser le pont quand nous y serons. Amen. Très bien. Allons-y. Nous montrons à Auron ce que nous savons faire. D'accord, je vais mettre en position combat. Et puis après, c'est... pétard mouillé. Genre, on est prêt à se battre à d'un seul coup. Non, mais moi, je vous regarde. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Mais bon, c'est du n'importe quoi appréciable.
Ah, c'est vraiment, c'était vraiment histoire de dire, bon, vous n'avez pas assez pour le vaincre directement. C'était pas lui que je croyais avoir après, mais bon, c'est aussi bien. Bon, c'est bien tout ça, c'est bien. Preuve de force. Ben oui, heureusement hein, que j'ai donc nous avons encore monté notre puissance. Hein. Non, ça aurait été dommage. Waouh, on avait gagné les vainqueurs. Il a vraiment juste regardé. Ah, c'est un gardien légendaire. Un gardien un gardien. Il protège les invoqueurs en voyage, c'est ça? Oui. Et les invocateurs sauvent le monde. Donc bon. Tout ça c'est Siron. Siron a voyagé avec mon père et a battu Sin. Donc si je te suis, battre Sin te rend légendaire. Plus ou moins. Pas mal, tu as progressé. Non, je suis désolé, j'ai encore un long chemin à parcourir. J'ai seulement réussi jusqu'à présent avec l'aide de tout le monde. Ah, tu sembles heureuse avec ça. Le nombre de gardiens que tu as est le nombre de gens sur lesquels tu peux compter. La force de tes gardiens est un signe de ta propre force. Garde ça en tête. Non, garde la tête haute plutôt. Oui, merci beaucoup, Sire. Il vient de nous complimenter. N'es-tu pas heureux à propos de ça? Pourquoi ne le serais-je pas? Quelqu'un qui est établi comme une légende, qui complimente tous mes amis. Tu peux être sûr. Je suis sûr qu'il est honnête quand il le dit. Ou peut-être de plus. Je sais pas quoi le monde. Ah, Siron, ce n'est pas un problème si. Peut-être que tu. Si ce n'est pas un problème, est-ce que tu veux bien voyager avec nous? Bien sûr. J'attendais que ça. La force de tes ennemis va augmenter également. Je ne serai pas de trop comme escorte ou comme gardien. Un gardien légendaire, hein? Quelle sorte de compétences possède-t-il pour être appelé une légende? Les légendes ne veulent rien dire quand les règles sont changées. Ne baissez pas votre garde juste parce que je suis là. Changer le monde et les titres et... je sais pas quoi. Ça semble raisonnable. Précisément. Et la force ne vient pas d'un titre individuel ou de la puissance.
Pourquoi vous êtes tous les deux si sérieux ? Le plus important, c'est que la puissance de chacun, est, tous ensemble, est très important. J'ai raison. Quelle innocence. Ah là là. Quel trouble a-t-il encore pu causer ? Quel colis d'être... Pourquoi de suite, c'est moi qui cause le trouble ? Voilà, je compte sur votre coopération. D'accord. Voilà, je peux dire qu'il est d'une grande aide pour nous, pour vous, pour tout, pour nous et pour vous. C'est bizarre pour vous, you, you chou, la dilalou. Mais bref. Ouais, New Ali. Alors, on va aller on va voir le petit adversaire, le petit boss. Bon, normalement j'aurais pas dû le prendre lui. Bah, genre, je pourrais pas prendre ceux qui sont full équipement 6 étoiles, mais bon, c'est pas grave. Oui. Bon, ça va, le plus long de tout ce qui est blabla est passé, maintenant c'est le plus long des téléchargements à effectuer. Quel dommage, ils cherchent à se booster mutuellement, mais bon, on les tue avant. Ouh, un ver de fer! Sacré bestiaux, dis donc! Je sais plus si c'est des dégâts en fonction de la bravoure ou c'est lié à la bravoure ou si c'est comme de toutes les autres types d'attaques, c'est-à-dire lié à la différence attaque-défense. Tant que je regarde. Est-ce que je n'en sais plus? Pourquoi j'ai fait une attaque ? On peut faire une attaque ? Oh le nul ! Une attaque, c'était pas du tout ce que je voulais. J'ai glissé !
J'ai glissé sur le mauvais bouton. Voilà, les deux ils s'auto-buff. On va laisser ce buff tranquillement. Oula, un Evil Eye. Ça a l'air d'être basé sur la force basique. Ah mince, j'ai pas fait gaffe que j'étais encore sur le terrain. Ah le nul. Sinon je... Bah oui. J'aurais, sur... j'aurais vu que c'était Terra, j'aurais fait une attaque classique de bravoure. Bon ça au niveau des objectifs c'est pas préjudiciable mais bon. Ça aurait été dommage. Une nouvelle histoire. Voilà, dernier blabla. Une énorme tour, c'est... il s'agit. Prodigieux en monstre et sans sans visuel de du sommet. Les monstres ici sont je sais pas quoi. Bougeons. Tyrone a une épée supérieure, une arme supérieure et ça lui colle parfaitement. Tout à fait. Combattre à ses côtés est un véritable plaisir. Ah, c'est vraiment du, c'est vraiment d'une une grande aide de vous avoir à nos côtés, Sir Oron.
Courir à travers un lieu comme celui-ci, les miracles sont vraiment possibles. Facilement, malheureusement. Je suis ici parce que tu es là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il nous suivait pendant tout ce temps. Oh, tu sembles en avoir dans... Tu sembles être un peu plus observateur. Juste, je suis venu dans cette tour et je vous ai observé pendant un moment de loin. Quoi? Je n'ai pas fait gaffe. Moi non plus. Mon entraînement est clairement loin d'être adéquat. Pourquoi tu n'as pas montré ta face plus tôt? T'avais peur de la réaction de Yuna? C'était nécessaire vu la situation, ce n'est pas Spira. Et après tout, n'es-tu pas son protecteur? Ben oui, mais... Si je ne pouvais pas confirmer que votre voyage n'était pas une erreur, je n'aurais jamais pu accepter votre offre. De plus, j'étais content. Vous tous vous voir et vos compagnons devenir plus forts. Une dévotion paternelle, il semblerait. Je comprends ce sentiment après tout, Sir Oran. Je souhaite sauver le monde avec tout le monde, mais ce n'est pas Spira. Même si ouais, ce n'est pas Spira, mais mon esprit me dit de le faire. Donc, s'il vous plaît, prête-nous ta force dans ce monde aussi. Le début d'une nouvelle histoire, hein? Eh oui, a new story. Et donc, on va finir ça tranquillement. Bon, est-ce que je réussirai à le vaincre au niveau de la partie 5? Je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Le A, le B. Je planifie liste. Bon, en vrai, j'aurais dû attaquer un autre, mais tant pis. Pour être plus efficace. C'est quoi qui m'a baissé d'ailleurs? Je sais même pas. J'ai pas relevé. Bon voilà, là, ça va piquer. Ah, ça m'a fait chuter le max, punaise, saleté. Yeah!
Voilà, ça va, ça va, on est bien. Et voilà, fini! Yata! Ah, ces gens qui me perturbent, hein, pour rien en plus. Oh, joli score quand même. Allez, la 5. Allez, cette petite lightning. Et on est parti. On va éliminer ça parce que c'est de... Allez. Oh. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et saleté. Ah oui, ça, c'est... déranger de la sorte, ça m'énerve. Et bien sûr, voilà.
Si jamais le numéro, ça me parlerait. Ça irait, mais là, même pas, quoi. Toi, le répondeur, t'as pas intérêt à rappeler, toi. Attention. Allez, remets-moi dans le combat, s'il te plaît. Allez, vite, vite. Vite. Voilà, c'est un peu le problème de... C'est un peu le problème d'être avec... directement avec la connectique de... Ah, je reprends ici, d'accord, je reprends le début de la vague, très bien. Le truc qui sert à rien pratiquement. Bon, très bien. Là, c'est Laguna qui est ciblée, c'est parfait. Moi, ça me va. Bon, j'ai passé un combat, déjà c'est cool. C'est quand même mieux d'avoir tout le monde pour attaquer dès leur première action pour ce boss. Mince. C'est pas du tout efficace ce premier tour. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ça, je peux attendre de lui faire baisser. Ah! Allez, 1000 et quelques pour tout le monde. Voilà, c'est ça.
Ah oh, punaise. Ah, ça va être compliqué cette histoire. Alors là, le Gravity, je n'en veux pas. Faire ça sinon non plus. Ouf, bon. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi il fait autant d'attaques de groupe là? Il m'énerve. Bah, il va pas se gêner pour le tuer, hein, clairement. Voilà. Bouh, voilà. Il est mort. Génial. C'est la mort. Je peux rien faire quoi, c'est abusé. De toute façon, un contre un, c'est perdu, hein.
J'aurai ma revanche. Mais je ferai de mon côté tout seul. Donc, bon, bah, c'est là-dessus que se termine cet event. Donc, dans les choses qui sont arrivées, donc, nous avons, comme vous avez pu le voir sur la carte, mais surtout, on a le retour donc des Chasm Power and Magic. Les fameux events où, si ça n'utilise pas des persos spécifiques, et bien après c'est bloqué sur les autres. Et si je me souviens bien. On a les quêtes de cycle qui ont des récompenses doublées. Donc il faut en profiter. On a dans le monde des illusions un retour des Treasure Hunts. Voilà par rapport au nouveau chapitre. Donc vous savez ce qui vous attend. Et surtout, on a la suite de l'histoire. Donc voilà, il y a de quoi faire. Bon, je sais pas si ça sera diffusé le jour même d'après la maintenance du jeu, mais plein de choses à faire. Donc peu d'ennuis à venir. Peu d'ennuis. On va dire largement de quoi faire. Et c'est vrai que c'est, du coup c'est fait bizarre quoi. Le truc 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 là-haut et 8. Je sais pas à quoi ça ressemblait la carte du monde à la fin, mais ça va être magique, je le sens. Allez, je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien.